Salut tout le monde, nous sommes sur le deuxième épisode de la série Seven Deadly Sins, Grand Cross. Donc, notre but, c'est d'aller à la forêt des rêves blancs pour vaincre Diane et Gil Thunder. Donc, c'est parti. Bon bref, on va aller chercher Diane là, au forêt des rêves blancs. Allez, c'est parti pour l'aventure. Pour combattre un peu tout le monde. Ah, un stockage obscur. Faut pas qu'on en ait trop. Alors, le système d'OG a l'air plus complexe que Dokkan. Après, moi j'ai acheté des choses, mais je sais même pas si ça sert. Alors, 10 000, pas mal. Allez, ça fait augmenter. C'est parti pour l'aventure. Je pense que ça serait une bonne idée d'avoir de l'aide. Je sais pas si ça vaut quoi cette pièce. Genre, c'est 5, mais j'en ai combien en vrai? C'est ça que je me demande. C'est pas 170 000, je pense, que j'ai. Enfin, ça me semble bizarre. Moi, les araignées. Donc, on va essayer de jouer strat. Attends, ça, c'est une attaque défensive. Allez, c'est parti. Et pourquoi pas contre total, hein. C'est parti pour un gros contre total. Voilà. J'aurais dit les défenses. C'est parti. Attention, il faut rien. Ok, là j'ai une attaque de Diane qui a l'air pas mal. Attends, je sais pas si ça attaque direct. Voilà, on réduit bien la défense et hop, une attaque. Ah bah ouais, bah non, en fait ça l'a mal visé. Eh mince, bon, quoi? D'où ça fait mieux? Ok, triple coup, ça fait quand même mal. Donc on va viser ça. Hop, et un méga contre, ça pourrait être pas mal. Voilà, boum. J'espère que ça m'attaque. Non. Dommage. Allez. De toute façon, je m'en fous, hein. Des ultis, ça me va. Voilà, one shot. Allez, on tue les araignées aussi, hein. Franchement, à ce stade-là, si on farm, ben, on tue carrément l'écosystème. Pourquoi pas? Ah c'est bon, nous sommes arrivés à la forêt des rêves blancs. En vrai franchement, dites-moi dans les commentaires quel est votre personnage préféré des Seven Deadly Sins. En vrai ça m'intéresse pour voir si on est d'accord sur un point. On va essayer, contre total, hop et... C'est bien ce que je pensais, c'est l'attaque. Allez, attention, est-ce qu'il y a un contre total? Waouh, il y a déjà un ulti. On s'en fout des dégâts, sérieux. Ah sérieusement, ça attaque pas Meliodas, c'est abusé. Bon, c'est du one shot. Après, ça tue. Et là, on va faire ça. C'est pas grave. D'abord, c'est one shot. Ah ouais, bah attaque ultime. Et attention, j'ai pas encore utilisé, je crois. Non, j'ai pas encore utilisé. Oh, 5800, c'est beaucoup pour moi là. Bon, c'est bien, on galère pas trop au niveau point de vie. J'ai pas besoin de me soigner, donc ça va. Allez, forêt des rêves blancs, nous sommes là. Alors, tiens, un coup d'œil sur quoi? Ah non, c'est-à-dire. Attends, what? Non, attends deux secondes, non. Non, je suis bloqué. J'ai fait un truc en avance, il a pas... Et le jeu, ça lui a pas plu. Non. Mais je peux pas... Mais d'où je peux pas? Ah non, je suis bloqué. Bon, je reviens. A tout de suite. Bon, bref. Alors, on a des events au combat. On va peut-être y aller. Premier test de Baltra. Ça peut être compliqué. Bon, bah, de toute façon, vas-y, on y est pour s'amuser. J'espère... Oh, non, 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 j'ai pas vu. Oh, j'aurais dû prendre... Oh non, mais j'ai que 12 000. J'ai que 12 800 de puissance, lui en a 50 000. En bataille, attends, d'équipement. Ok, c'est ça a l'air facile. Bah c'est parti, hein, on commence. De toute façon, si je peux faire des events, ça me va, ça me va. Au moins, on découvre le jeu tout seul. C'est pas le jeu qui nous dit. Bon, là, ils sont à notre niveau. Bon, là, on va gagner. Donc, bien sûr, on réduit l'armure. Et voilà, on va quand même essayer de jouer avec les faiblesses. Voilà, comme ça, c'est one shot. Comme ça, c'est plus rapide. Ah c'est vraiment très facile là, hein. C'est très 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 facile. Allez, on va viser deux fois. Allez, contre total, on s'en fout. Voilà, au revoir. Ça a l'air magnifique quand même comme attaque. Purée, on pouvait vraiment se soigner. Ok. Tugo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui ont plus de puissance, c'est pas logique tout ça. On va quand même réduire l'armure. Alors c'est one shot. Non. Il est quand même puissant. De toute façon si jamais on peut se soigner. Alors on a une attaque ultime. On va le mettre sur le chef. Pourquoi ça vise Elisabeth là? J'adore comment ils attaquent pas Meliodas. On peut vraiment se soigner comme ça. Et quand on a contre toi là, allez vas-y. Voilà le cadeau. Cool team. Ah j'ai pas quand... J'ai pas fait. Mince, je crois que c'était des dégâts. Faudrait vraiment que je lise avant quand même. C'est vraiment mon défaut. Voilà.
Voilà, là, je suis sûr que ce sont des dégâts. Parce que j'ai déjà fait. Allez. Ultime, ultime. Et voilà. C'est parti. Je cherchais pas si c'est une attaque de zone. Donc je préfère. Ça, on peut aller récupérer comme ça. Voilà. Ah, quand même. Et la puissance, quoi. Ok, ça va. Méga coffre. Mais non, mais sérieusement, mais ça survit. Voilà. Génial. Niveau 4. De toute façon, j'ai aucune envie de, je sais pas, de faire entrer Dreyfus. Ok, on peut même recommencer. Je m'en fous. Obtenir 10 pièces d'équipement. Allez, c'est parti. On vole. Le jeu, j'ai peur. Je peux encore essayer les améliorations. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que sont ces améliorations? Milieu d'os. On peut améliorer. Ah oui, d'accord. On entraîne. Bon, bah, vas-y, hein, si c'est le tuto qui me dit ça. Ah là, il est niveau 4. Là, il est stock. Ah, l'event, il est quand même là. Mais on peut naviguer sur le menu. En fait, on a quand même le choix. C'est-à-dire qu'on se perd pas trop. On a plusieurs chemins pour aller sur un seul truc. L'accessibilité est quand même sympa. Ouais, c'est marrant, mais voilà. J'adore comment ce jeu n'est pas fait pour jouer sur tablette. Parce que, genre, je sais pas, il y a des animations où il manque de largeur. Déjà que, de base, je voulais le faire avec l'écran de... Je préfère retirer de l'armure. Après, c'est mieux que je fasse attaquer ou que je fasse attaquer Elisabeth parce que elle est verte. Ouais, une grosse attaque. Putain, du poison, sérieux. Hop, et on attaque le même haut. Hop, attaque terroriste. Voilà, on réduit. Mais tiens, ça c'est one shot ça. Tu me diras, ils ont à l'Alizé. Allez, attaque ultime sur des petits hawks. Cloné. Quel massacre. Je sais pas si c'est un boss. Je crois qu'il y a Guy après. Faudrait voir. Je sais pas si c'est dans le niveau suivant. En tout cas, dedans, il n'y a pas que des hawks. Bon, ok, en avant, hein. Je sais même pas où on va. Bon, en tout cas, alors on va déjà réduire l'armure. On va viser ça. On fait tourner les cartes, voilà. On utilise des petites attaques au début. Alors on réduit la défense. Voilà, ça vise de nous faire attaquer. Comme ça on gagne même plus de temps. Allez, on va viser ça. Super coup de poing. Et ça nous va. Un one shot. Alors, on va viser avec ça. Et pour l'autre, en même temps, c'est quand même, il y a quand même une faiblesse. Bon, c'est pas grave. On fera deux attaques. Voilà, au moins ça évite de... qui nous attaque. Ah non, je pense pas que ça va suffire. Ça va. Attends, c'est quoi ça déjà? Non, ça soigne. Donc voilà, je fais une attaque, ça nous va. Et hop, un petit contrôle total, voilà. Hop, et one shot. Ça avance. Bah c'est pas mal tout ça en vrai. C'est vrai qu'on l'a pas encore rencontré alors que pourtant on l'a dans notre équipe. Et en plus que ceux à gauche là, bah on les a tués. Voilà, le jeu. Allez, on contrôle le serpent de l'envie. Tiens, Diane est interdit. Et ouais, parce que pour pas faire confusion, il y aura deux Diane, fois un rouge. Ouais, mais c'est nul, c'est nul les rouges qu'on a. Genre, j'ai pas envie d'avoir un chevalier sacré, enfin un R quoi. On va prendre Kane alors. Allez, viens Kane, c'est parti. Parce que c'est important Diane, je veux dire, je sais pas, elle a des compétences rouges. Allez, Kane, j'espère que t'es chaud, hein. Niveau 1 quoi. Ah mais c'est vrai que, voilà, la caméra. Ah, il fait des gros dégâts, en plus des brûlures quoi. C'est quoi ça? On dirait que c'est les mêmes attaques. Oh, t'abuses, mec. Bon, déjà one shot. Pour gagner du temps, quoi. Et après, bon, je pense pas, hein, mais. On va essayer de mettre deux attaques pour voir si ça marche. Oh mince, j'ai pas tué. Bon, c'est pas grave, on perd du temps un petit peu, mais bon. Bon, genre, on essaie quand même de runner le jeu. Allez. On tue. Merci pour critique.
Je sais pas si un petit contre total ça peut marcher. Déjà, ça peut être pas mal. One shot. Ok. Oh purée les dégâts. Il faut avoir la chance aussi dans le jeu là. Moi je préfère faire des attaques comme ça. Ça va même peut-être plus rapide. Ah puis voilà, tu vois, j'étais sûr. Voilà, en même temps on va garder nos ultis contre Diane. Hop, et un contre total. Ça nous va. Voilà, ulti sur Diane. Ouais, c'est régène quand même. Et contre total, il est où? Ah mince. Tous ces mélanges de cartes là. Ah oui, j'ai une idée, je fais ça. Et après, je vois, au moins je mets trois attaques. Elle a quand même niveau 14, hein, c'est beau. Il y en a beaucoup, la vie. Ah mais elle va sortir un ulti de ouf. Ah il y a Kane. Oh, pure, attends, il est mort Kane? Je sais pas si c'est Kane qui est mort, non. Alors une grosse boule de feu là, on va mettre un Genki Dama. On pourrait le soigner mais c'est pas grave. On va voir si Cool Team va faire beaucoup de dégâts pour un niveau 1. Non bah après il est désavantagé. Alors que contrairement à Melodas, là il est avantagé. Pas mal, pas mal. Bon bah on a... Ah bah tiens 14 000. Ah bon. On a quand même 4000 de puissance de plus. Mais je sais pas si j'avais le droit d'utiliser Kane en fait, c'est ça le truc que je me dis. Enfin, de Diane, je veux dire. Voilà, le cheval est sacré. On va le tuer dans le jeu, mais pas... enfin, dans la série, oui. Mais on va dire que on va moins galérer. Par contre, c'est vrai que Gilsander, il fait peur en vrai de base. T'es en niveau 20? C'est ma Diane, ça? Je me demande. Bon, on va... limiter ses... Ah, moi bon, je vais mettre un contre total pour voir s'il va nous m'attaquer. Hop, au moins il y a moins de défense. Ah la barre de vie. Allez, j'espère que t'attaques Melodas toi. C'est une blague. Allez, attaque Melodas. Voilà. Voilà, boum, beaucoup de dégâts. Allez, de toute façon, c'est mieux de retirer l'armure hein, pour un boss. Hop. Là voilà, on réduit. Un gros dégâts. Ah, je peux faire une attaque. Oula, là j'ai eu peur. Je vais faire une grosse attaque d'Elisabeth, ça va one-shot, ça est super marrant. Voilà. Attention, est-ce que ça va one-shot? Ça va être super marrant. Ah presque. Par contre 6200, c'est bien. Voilà, c'est fini. Ah ouais, j'adore la tuer mais. Mais au final il fait le malin. Ah non, c'est vraiment la Diane que. On va dire qui est dans l'histoire, et pas celui que j'ai dans mon deck. Voilà, Gilsander, au revoir.